Bien, afin de gagner du temps, je vais dire bonjour qu'à une seule personne. Bonjour Gwynette. Bonjour Mauricienne. Non, 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 tu ne me réponds pas. C'est pour gagner du temps, tu comprends? Bonjour Gwynette. Rien. Bien. Alors, avant de commencer la thérapie, j'aimerais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée ce matin. Ce matin, comme tous les matins, je me lève et j'embrasse ma femme. Et je la trouve, comment dire, un peu froide. Alors, je lui dis qu'on aurait mieux fait de fermer les fenêtres. Et elle ne me répond pas. Et c'est alors que je fais le constat du décès de ma femme. Alors, j'ai eu un petit peu le cafard. Parce qu'il a fallu que je l'enterre dans l'après-midi, vu qu'elle commençait à chmouter. Et puis je me suis dit, mais enfin Mauricienne, il y a des choses plus graves dans la vie, hein? Tu aurais pu très bien ne pas t'en apercevoir. Et tu aurais passé ta vie avec un cadavre. Et tu aurais pensé que ta femme te faisait la tête et il y aurait des problèmes de couple. C'est bon, elle a crevé ta femme, on va pas faire tout un plat, c'est bon. Tu dois être bien malheureux dans ta vie pour dire que ma femme est crevée alors qu'elle est morte. Oh pardon, je savais pas. Gifle-toi avec ta langue. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le travail engagé la dernière fois et qui consiste, grâce à des exercices théâtraux, à surmonter son problème personnel. Alors rapidement, rappelez-nous quel est votre problème personnel. Alors, moi c'est hémiplégiane, ouais. J'ai une forte tendance à rire pour un rien, mais c'est vrai que depuis la dernière séance, je me sens beaucoup mieux. D'accord. Parfait, suivant. Alors, je m'appelle Fribourg. J'étais persuadé que les gens se payaient de ma gueule. Mais depuis quelques semaines, je fais vraiment d'énormes efforts. Et, d'accord. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu fous de ma gueule? Non, personne n'a rien dit, Fribourg. Personne n'a rien dit, on se calme. Gwynette? Oui, Gwynette. Mon maman, en fait, je chiale tout le temps. Mais bon, ben c'est vrai que depuis quelques semaines, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et puis ça va. Bien, je crois qu'on peut l'applaudir, hein, s'il vous plaît. Très bien, parfait. Jean-Marie, comment va ton doigt? C'est très bien, très bien. Ah là, oui. Ah ben il est en forme le doigt, ouais. Il est en forme, très bien, très bien. Tu te rassois, s'il te plaît. Tu te rassois. Très bien. Aujourd'hui, nous allons faire un travail collectif. On se calme. Alors, la situation est la suivante. C'est une cour de ferme. D'accord? Bien. Je suis le fermier. Vous êtes les animaux. Donc chacun va choisir un animal. Il va se lever, expliquer pourquoi il a choisi cet animal. Et puis après, on fera un exercice pour que chacun accepte la différence de l'autre. D'accord? Alors, allez-y. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Bah, on y va. Revenez à votre place, arrêtez de plaisanter, s'il vous plaît. Allez, allons-y. Qu'est-ce que vous faites, là? Wow. On y va. Allez, on s'assoit, s'il vous plaît, on se calme. Allez, on attaque. Ouais. Suffit, là, ça... Quoi? Tu chialeras, moi, tout à l'heure. Voilà. Pour ma gueule, quoi? Très joli doigt. Très joli doigt. Pour moi? Voilà, très bien, voilà. On se calme, on se calme. Quoi? Tu t'arrêtes, tu arrêtes de rire comme une merde. Très bien, mais c'est bien. Tu t'arrêtes, attention! Bien. Fribourg, c'est à toi. J'ai choisi le coq. Parce qu'avec le coq, je pense être plus en confiance. Quoi? C'est bien, tout va bien. Parfait. Suivant? Moi, j'ai choisi le coq. Ouais. Parce qu'un coq n'a pas de doigts et comme ça, ça m'évitera d'en faire. D'accord, c'est bien, mais il y a d'autres animaux hein, que le coq. Bon, parfait, très bien. C'est bien. Je l'ai vu, hein, bon. Suivante. Alors, moi, je suis coq. Ouais. Parce qu'un coq, c'est un chef. Et un chef, ça rit jamais. D'accord. Mais tu aurais pu choisir le lapin aussi. Le lapin ne rit jamais. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Passons, suivant. Moi, là, je suis une poule. Oui. Mais bon, bah, j'hésite quand même avec le coq. D'accord, très bien. Le jeu va commencer. Attention, vous êtes prêts? Jouez! Très bien. Voilà, c'est bien. Continuez, c'est bien. Très bien, attention. Dialogue! Bonjour, monsieur le coq, comment ça va? Vous voulez un peu de grain? Quoi? Quoi? T'as... Et toi? Mais quoi, t'es un coq ou t'es une poule que j'encule, quoi, tu dis? Hein? Quoi? Ça va pas partir, là, s'il vous
plaît, très bien. Allez, d'accord, d'accord. Jean-Marie, tu t'assois, s'il te plaît. Jean-Marie, tu ranges ton doigt, tu ranges ton doigt, Jean-Marie. Oui, personne t'a dit du mal. Tu t'assois, tu arrêtes avec ton verre de tapette. D'accord, tu te calmes, attention, attention, on s'assoit. Assis. La séance est à présent terminée, je suis content, ça s'est bien passé. Alors maintenant, on va se lever. Non, pas maintenant. Rasseyez-vous. Maintenant, vous pouvez vous lever, très bien. Donnez-vous la main. Voilà. Embrassez-vous le cul. Parfait. Maintenant, vous sortez. Vous sortez. Bêchez-vous. Quoi ? Oh,